Salut à tous les amis, ici Fantante Canadienne, plus connue sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon, oui, parce que Fantante tout seul, c'est un peu tendancieux. Salut Bob! Bonsoir, je suis Bob Lennon, Bob versus Wild, hein, au plein milieu du désert du Montana. La première action qu'on devrait faire, c'est de garder notre urine quelque part dans un bocal et de boire notre propre pisse. On ne trouvera pas d'eau avant des jours. Ça va absolument comment rien il s'appelle dire, le mec qui fait Man versus Wild? Je sais pas, il est fou ce type. Ah oui, Grizzly ou ouais, non, un truc comme ça. Grit, ouais, un truc comme ça. T'as vu un peu comment quand je sprint, la folie de la vitesse? Oui, au fait, on a constaté pendant l'entre-deux du dernier précédent épisode que lorsque tu avais la full armure de archer, tu te déplaçais à une vitesse de malade mentale. Tu devais faire des attaques à distance beaucoup plus puissantes aussi. Est-ce que tu veux mon Legia Bow, celui qui tire plusieurs flèches? Non, parce que je vais me faire mon Birch Bow, là, l'archer. Tu sais, j'ai un arc spécial. Oui, mais tu as le je sais, mais tu as le matos. J'ai le matos, alors attends mon petit Bob, laisse-moi prendre mon sac magique, mon sac non, de parce Mary Poppins. On fera ça à la maison, mais en attendant, est-ce que tu veux pas que je te prête mon arc et du coup non, tu parce que j'en ai un bien. Il en a rien à foutre, c'est très j'en bien. J'en ai un bien, regarde celui-là, regarde ça. Oula. Ah, mais le mien, en plus, il est rapide. Oui, mais le mien, il tire deux flèches. Le mien est super rapide. Ah, mais moi, lui, il peut tirer deux coups. Ouais, mais moi, il fait que des coups de critique et il enchaîne à la vitesse de la lumière. C'est moi le plus fort, je m'en fous. Le mien, il tire, il pisse plus loin. Voilà, me fais pas chier. Donc. Voilà, et en plus, t'as une sacrée flèche dans la tête. Comment t'as fait pour te tirer une flèche dans la tête comme ça? Bah, j'ai visé en l'air et puis j'ai tendu l'oreille, écoute, pour savoir si elle retombait. Et puis là, c'était le drame et l'accident. Alors, nous sommes dans ce désert, chers amis, pour passer la nuit. D'ailleurs, passons la nuit, mon cher Fanfan. Oui, parce qu'on voulait récupérer un petit peu de cactus, bien sûr. Du cactus, parce que nous avons à la maison, je rappelle, un canon à cactus, si vous vous en souvenez. Hop. C'est vrai? Mais oui, bien sûr, mon cher Fanfan. J'attends. C'est vrai, et on va pouvoir en planter. Allez, on va se coucher. Je me couche en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon. Avant qu'un creeper fasse péter le campement, parce que bien sûr, toute ressemblance avec un accent québécois est fortuite. Hein, fortuite, t'as raison. Alors comment tu fais pour récupérer les tentes avec le coup de droit. Ah merde, j'ai pas récupéré le sac de couchage, d'accord. Je viens de comprendre. Ouais, comment on fait pour récupérer le sac de couchage d'abord? D'abord le sac. Putain, mais là, il y a un truc invisible. Là, il y a un truc invisible, je sais pas quoi. Merde, j'ai perdu le sac de couchage. Ouais, ça t'apprendra. T'es mauvais, Bob. Ouais, je suis mauvais, mais on a plein de tentes. On vivra très très bien, au pire, RP, ça compte. Voilà, me faites pas voilà. Chier. Alors, en attendant, on va rentrer à la maison. Comment tu veux qu'on rentre à la maison? On avait fait un chemin de ouf. Pour l'instant, on rentre à la maison après avoir récupéré plus de cactus, mon cher Fanta. J'en ai déjà 14. Le 14, c'est pas assez. On a un canon, ça utilise une balle par cactus. Ah moi, putain, allez, donne-moi le birch. Et en plus, il y a une tour de sable. Donne-moi le birch pillage. Alors, je vais prendre ça, les cette émeraudes. Tour de sable m'interroge. Et il y a des champignons, mais des montagnes du désert. Ça m'intéresse pas, des tours de sable. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse notre stuff et je veux qu'on se barre dans une nouvelle dimension. Le voilà. Fanta qui ne veut absolument rien entendre d'aller notre dissident. On peut pas visiter la tour, tour de sable et... Putain, mais des tours, ils en bouffent à chaque épisode. Ah putain, attends, oulala. Ah, mais non, oula, que se passe-t-il? Ah d'accord, tu voulais voir comment on les fait, c'est ça en fait? Ouais, et je me suis trompé. C'est pas grave, c'est très classique, hein, vous connaissez dans cette série comment ça se passe si jamais ça arrive. La solution consiste bêtement à tirer tout seul. Exactement. Et je me rappelle même plus comment il fallait faire. C'est pas grave. Donc, Et du coup, la tour de sable. Bah écoute, tu fais ta tour de sable, moi je fais la tour de sable. Mon arc. Il fait son arc. Alors, arc, je n'ai plus trop d'idées comment c'était, je crois que c'est comme ça et comme ça. Oh, tcha. Joli. Et donc tu as réussi à le faire du coup? Oui. Bon. Bah attends, oui. Les plus mesquins d'entre vous, t'aurais pu tous les jeter sauf un, on aurait gagné du temps. Oh, ça va. Alors, j'ai un arc, je ne sais pas, est-ce qu'il est beau? Arrière, oui, regarde-moi cette beauté, Linon. Je suis dans la tour. Laquelle? La tour de sable. Hop là. Ah, justement, c'est ce qui m'interroge. Effectivement, ça déchire. Je vais essayer de tirer sur Kale King. Alors, ça fait même une flèche marron quand tu l'armes. Oui, je vois ça. Alors, attends, hop. Attends, ouais, super. Alors, je vais annuler. Là, il y a un zombie. Tout à fait, mais je voulais être sûr. Ah, pardon, aïe. Ça pique. C'était moi, donc je suis en feu. Ah, en plus, elle te fout en feu, mais c'est génial. Elle m'a fait perdre 6 cœurs, hein, donc ce zombie est mort. Voilà, alors, la question que je me pose,
C'est? C'est est-ce que ça utilise des flèches? Alors putain, dis-moi que non. Dis-moi que non. Ouais, parce que si c'est Comme le cas, ça, c'est si c'est craqué. infinite, c'est génial. C'est craqué. Si ça utilise des flèches, on a quand même un sacré stack, hein, donc t'en fais pas. Avant d'en manquer, Ça ça n'en m'arrivera. utilise pas, Bob. Ça n'en utilise Ça pas. n'en utilise pas, ce pété! 32, 32, je vérifie. Le Fanta est complètement pété. Le Fanta, il est craqué. Ouais, non, effectivement, je n'utilise pas de flèche, ou alors je ne l'ai pas vu dans mon inventaire. À mon C'est avis, pas je n'utilise pas de flèche, et ça s'appelle le Archer's Bow of Birch. C'est le bow des grave. Ça s'appelle biatchs. le craqué bow of craquage. C'est Of ça. craquer psychologiquement, of abusage le plus total, Putain, pourquoi of quand je fais un clic illégalité droit illégale. sur le coffre, il disparaît avec ma pioche? Bizarre, ça. Moi, je base parce que je suis en train de récupérer les coffres en même temps, ça fait plus de matériel de construction pour la maison, tu comprends? Et t'es déjà à l'étage. Ah, ok, d'accord. Ouais, à deux ou trois étages au-dessus. Ah non, en Ah, bah fait, tout. ils ont disparu de sous mes yeux. C'est un lag. Ok, d'accord. Oh, tout va bien, tout va bien. Monsieur Alors là, Jack, il y a un toujours très étage. loin. Là, il y a un mort. Là, il y a des pommes, Bon, on du se pain et des balade, hein. vitres. Oui, c'est. Ils sont mignons, mais. Par contre, passe pas devant, je rappelle. Hein, C'est un truc d'archer, mais c'est moins puissant que ton armure en diams, mon grand. Donc. C'est sûr? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, en full armure diams, j'ai pas encore mis le casque, je vais te dire ça. J'ai presque 10, moins Ah ouais, moi 0,5. j'en ai que 5, ouais. J'ai 10, 0, enfin, j'ai 9,5. C'est craqué. Bon, après, j'ai des petits spells de protection dessus, mais. Allez, je reste bien en arrière, et puis... Ouais, reste à l'entrée, quoi. Hop. On les couvre, et puis on est bon. Couvre-moi toutes ces enfoirées qui voudraient sortir. Voilà, impeccable. Des melon seed, des pumpkin seed, j'en prends encore. Fishing rod, on en a déjà plein. Puff, 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 et on fait cette tour. Alors, je sais, ils en ont bouffé de la tour, mais de la tour, c'est de l'XP gratuite. Ah! C'est de l'XP gratuite et puis c'est une tour de sable. On ne peut pas se permettre de laisser une tour qu'on n'aurait pas faite survivre et subsister dans ce monde terrible, horrible et apocalyptique qui nous force à faire face à nos propres peurs et à remettre en cause toutes nos convictions les plus profondes. Donc voilà. Le fantôme ne m'écoute même pas. C'est une catastrophe. Je suis en pleine action, moi. Il Ah me met une flèche! putain! Mais dans la tête, il brûle en plus le nan. Et c'est pas possible! Une flèche, ça suffit pour en buter un, ok, un petit Ça, zombie. l'armure, ça te donne en fait la capacité de tirer sur tes alliés aussi. Joli. Très joli. C'est marrant, ça varie selon que tu fais certains tirs, ça. Oh putain, non! Apparemment, c'est le coffre. Et on peut le fouiller ce coffre? Apparemment, non. Dedans, il y a de la fausse armure et de la merde, c'est pas important. Il faut le buter, il faut le buter. Alors, je vais essayer de lui spammer la gueule. Est-ce qu'il y a de l'arc trayette? Oh, putain, je viens de passer à Ah, l'étage ah, ah, ah. au-dessous. J'attends, je l'attends d'un Je étage veux en pas dessous, faire je suis en bonhomme feu. de neige. Comment je suis en Oh, feu? des blocs en or! C'est bon ça. Vas-y, banane-le! Aïe. Achève-le! Oh putain, je me suis... Trop fort. Joli! Par en dessous. Encore! Bim. 18 points de vie encore! Il en a regagné. Pourquoi il a regagné des points de vie, ce fumier? Il se régène. Allez, Achève-le! c'est bien. Il est en dessous! T'as raison qu'il se régène. Ouh, il est mort! On Vite récupère les le diams. bordel. Voilà, et on se casse! Passe par les trous, passe par les trous. T'as raison. Ça fait mal, mais si ça marche, quoi. Hop, on récupère le fil, parce que toutes les araignées sont en train de crever. Cha-cha-cha-cha-cha. Tac, tac, tac. Trop fort. Le fil, les pièces d'or. J'aime beaucoup ce stuff archer. Alors, Et voilà. j'ai une fonctionnalité qui me permet de tirer à 40 blocs en visant quelqu'un. En appuyant sur la touche F, je crois. C'est F hein, pour lancer l'attaque. Oui, l'attaque spéciale. Si t'as le corps, l'arme, le bouclier, que t'as tout en Donc, c'est fait. plus de flèches et je vais essayer de viser quelqu'un. Il faut que je vise Genre quelqu'un, moi. sinon ça tombe sur ma gueule. Ok, d'accord, si tu veux, c'est toi. Bah, j'ai vu plein de flèches, moi, en l'air, donc ouais, c'est avec plaisir. Vas-y, je t'en prie, F. Ciao, ciao, ciao. Oh shit! Ah! Yeah! Énorme! Heureusement que j'ai bloqué! Je l'ai vu au dernier moment, j'ai ramené l'épée au corps! Oh putain, effectivement, c'est bourrin! Et ça marche sur un mob? Bah oui, j'imagine que quand il y a un groupe, ça doit pas être mal. Et ça consomme pas de flèches? Bah non. Tu craquais? Bah il faut le spammer parce que le heal ça consommait rien aussi, hein, Je je crois que je peux pas le faire trop souvent. Hein. Genre moi le heal c'était toutes les 5 secondes, donc tu peux spam hein, mon petit, hein. Y a pas de On va souci. voir.
toute façon, il me dira effectivement tous les combien je pourrais le faire. Bon, en attendant, je suis plutôt content de mon stuff. Il reste plus qu'à te faire ton stuff Berserk et puis tout le monde sera content. Je suis d'accord. Et puis tous les moutons ont dû se reproduire et la génétique aidant, seuls les marrons ont dû survivre car ils se fondaient avec le décor. Cherchez pas, c'est demandé à Darwin. Alors, Toadstool, qu'est-ce qu'on peut en faire? Oh, on peut en faire des soupes de champignons. On est perdu là, Bob. Non, on n'est pas perdu. On va se trancher la gorge et on va rentrer à la maison. Ah voilà, allez, slash kill. Oui, slash kill, ça fonctionne très très bien. C'est une vraie stratégie, ça. C'est stratégie Ken. Voilà. Donc. On est bien là. Attends. Nous voilà de retour à la délicieuse maison, mon cher Fanta. Ah ouais, mon lit avait disparu, il me dit. Ok, d'accord. Oui. Probablement le dernier. Non, tout va bien. Oui, t'as vu ce sprint. J'aime le sprint. C'est vrai que c'est impressionnant. Pour le coup, là, tu traces la planète. Ce faisant, Fanta, je t'invite à venir ranger le bordel. Alors vous allez dire, oh non, c'est chiant de ranger le bordel. Oui, mais le Lennon a été gentil, il a fait les allers-retours et il a tout rangé. Il a renommé les coffres et tout ça. Alors, bloc. Tout Merci, ce qui est carré. C'est super, bravo. Tout ce qui est carré. C'est pas dur. C'est très bien, Bob. Alors, bloc, meuble, cactus, tout ce qui est carré. Compte. Mais quelle est la différence? Ah, c'est la même chose? C'est carré, c'est cubique. Ça compte. Si jamais c'est un meuble, du genre un pilier, un four, un coffre ou une enclume, tu le mets quand même. D'accord ? Ça compte, ça compte comme un meuble. Tout, je rangerai. Voilà, ouais, là, ça c'est le coffre à bordel. Ça c'est un coffre qui ne sert à rien, j'ai pas encore trouvé d'utilité. Ça, c'est marqué dessus. Bouffe, plante. Tout ce qui se bouffe ou ce qui se plante. La viande de zombie n'en faisant pas partie. Si, ça se bouffe, tu la mets. D'accord. Ça se bouffe, tu la mets. Réfléchis pas. Ça se bouffe pas les yeux d'araignée, donc on va pas la mettre. Je remets un petit peu de terre. Est-ce que ça se plante? Est-ce que ça se bouffe? Oui, non. Voilà. D'accord, bien joué. Alors ça, merde. Hop, ça je vais réunir tout. Tout ce qui est précieux, c'est là. Donc tu dis ça se plante, ça se bouffe. L'essence, ça se plante pas, ça se bouffe pas. Alors justement, l'essence, ça se plante pas, ça se bouffe pas. Donc ça va dans les deux coffres qui sont là, préférablement celui de gauche pour voir si ça rentre pas. Qui sont des composants, tout ce qui se bouffe pas ou qui n'est pas un meuble ou un cube. Et qui est relativement précieux. Ouais. Oh, non, tout le reste. Tu réfléchis pas, tout le reste. Réfléchis pas, je te dis. Tu poses tout. Voilà. Ok, tout ce que je peux. Donc tout ce qui se mange pas, qui se bouffe pas. Ce qui se plante pas et ce qui n'est pas carré. Avec l'exception, parce qu'il y a quand même une mini exception, l'exception des torches ou des armes et des armures. Alors c'est de l'équipement. L'équipement se trouve en dessous. Ok, je mets ça, donc tout c'est relativement précieux quand même. Avec ça, il y a quoi? Putain, j'en ai tellement, Bob, t'imagines même pas, tu vas pleurer. Tellement je vais te remplir ces coffres. Mais tu peux y aller, hein, ils sont là pour ça. En tout cas, merci pour ce travail. Alors, la ficelle, on la met aussi? La ficelle, c'est dans les... ça se bouffe, ça se plante, c'est carré? Non. Alors ça se met dans le premier coffre, préférablement celui de gauche, tu as le composant 0, histoire de voir si tu peux pas le bourrer un peu plus, tu vois, avant de faire le composant 2, pour éviter d'avoir trop de doublons. Ok, muy bien. Voilà. Alors on va continuer. Le Lennon qui pète des câbles. Putain, mais comment ça se fait qu'à chaque fois... Quoi, à chaque fois? Bah il se re-remplit. Quoi qu'il se re-remplit? Bah mon coffre, mon machin bleu se re-remplit, c'est pas possible, à chaque fois je le vide... Et quand je rouvre, il est plein. Alors ça n'arrive pas, ça. C'est dans ta tête, ça, mon grand. Oh, putain, Bob, je suis navré. Pourquoi? Oh, putain, le fail. Non, mais c'est pas... Là, je suis navré pour les abonnés qui viennent me voir vider et re-remplir mon sac 3 fois. Ah, d'accord, mais tout va bien. Non, mais ça va, en fait. Moi, j'ai cru pendant une seconde que t'avais perdu des ressources ou des trucs importants. Et à chaque fois, je me dis, putain, il est plein. Non, mais c'est Fanta being Fanta, everything is fine, il n'y a rien à voir. Circulez les enfants, il n'y a rien à voir, tout va bien. Là, vrai, un grand désolé pour c'est ça. C'est pas grave. Oh putain, mais tu m'as inquiété, sur le coup j'ai cru que tu avais tout jeté ou bref, voilà, le guac quoi. Mais en fait, non, tout va bien. Bon bah voilà, c'est juste que tu prends 30 secondes de plus. Vous plaignez pas, hein, en 10 épisodes, un épisode rangement, venez pas nous faire chier. Donc. Alors, ici, on va pouvoir récupérer les mêmes trucs. Les mettre ensuite, là. Il me faut une paire de clippers. Les clippers, je crois que je les ai dans mon sac à dos. Ici, les cactus, ça se plante, et c'est donc si où ça se plante? Alors, les cactus, au choix. Soit ça se plante, et dans ce cas-là, tu les mets dans les plantes. Soit c'est carré, dans ce cas-là, tu les mets dans les blocs carrés. Mais ça se plante, mettons. Comme ça se plante, on le met dedans. Hop, t'as raison. 33 cactus, voilà, qui fera parfaitement l'affaire. Hop, et le papier, ça va là. Bon, bande de salopes de moutons, je vais vous charger. Yeah! Donnez-moi toute votre laine pour faire du stuff berserker.
et massacrer encore plus d'ennemis. Parce que je suis un gentil. Et leur là, j'ai vidé qu'un. J'ai vidé qu'un coffre. Enfin, qu'un de mes sacs. Qu'un de mes sacs. Alors, vite ton sac. Du coup, là, t'es en train de faire ton stade berserk, hein. Oui, j'y travaille. Je suis en train de couper plein de laine marron délicieuse de la part des moutmouts. Moutmout qui commence à manquer de place, hein. Moutmout dissident pour la plupart, mais... Les casques et les armures, les outils, c'est en bas? Alors, c'est en bas, tu vois. C'est en bas, il y a deux coffres. Un coffre pour tout ce qui est chose que tu tiens à la main et un coffre pour tout ce qui est chose que tu portes sur le corps. Avec l'exception dans les armes, des tentes et tout le matériel de camping nécessaire qu'on prend quand on part en aventure. Ok, je suis sûr que je t'ai foutu le bordel, mais déjà. Alors, hop, ça c'est fait. Comme il n'y a pas la fonctionnalité de rangement automatique qu'il y avait dans le précédent The Dream, c'est automatiquement c'est un peu plus le merdier. Mais c'est pas grave, on s'y repère quand même, c'est pas non plus la fin du monde. Alors, bouffe, plante, ça se plante, ça se bouffe. Merci. Motherfucking sheep in the playground. Il pourrait faire une musique comme ça, un motherfucking sheep. Voilà. Ah, t'as tout vidé en fait. Presque. Bien joué, Bob. Lui, il veut rien alors, savoir. Là, voilà, ça y est, enfin. Les trucs en cube. J'aurais dû mettre dans le coffre à bordel. Mais bon. Très bien. Il périra par les flammes. Très tout bien. Ce qui est carré. Et ce poulet, il périra par les flammes aussi. Très bien. Au passage, nous avons des poulets, mon cher Fanta. C'est où, tu m'as dit, les objets, les outils? Alors, les objets, les outils, l'équipement, c'est avec les armes. Équipement, armes, armures, accessoires. Et c'est où? Ah, c'est ici, là, ah, putain, c'est nouveau, d'accord. Oui, c'est nouveau. Donc, à gauche, tout ce qui se tient à la main, slash qui sert à l'aventure, les échelles, les torches, les armes, ou comme les clippers que je viens de poser, là, tu vois. Les échelles, je les ai mises ailleurs. Oui, bon, c'est pas... Les échelles, c'est vraiment... Tu peux les mettre partout, quoi, c'est pas très grave. Mais les mets pas dans composants, parce que ça ne sert pas à construire quelque chose, c'est une échelle. Ouais, soit tu les mets dans les meubles, soit tu les mets dans les... Très bien, couteau suisse, on va le laisser aussi, les tentes... Couteau suisse, moi je préfère mettre ça dans les équipements. Ça peut toujours servir, ok. Simple, c'est plus simple à gérer pour nous. Et ici, bon, les équipements qui traînent... Deux stacks de laine noire, animal skin, très bien. Donc avec ça, il me faut de la peau. Très bien. Bâton de blast, ça n'a rien à foutre là. Absolument rien à foutre. Attends, il y a du bâton de laser. Non, c'est un composant, ça. C'est moi qui l'ai mis. C'est une erreur de ma part. En fait, de temps en temps, il ouvre mon sac. C'est pour ça. Oui. Je fais de la merde depuis le début. J'arrête pas. C'est pas tu peux possible. Pas transférer directement de ton sac à ton inventaire, Fanta. Enfin, de ton sac à un coffre. C'est pas possible. Il faut que tu mettes ça dans ton inventaire à ouais, toi. Ouais, mais après, je les remets dans mon sac. Oui, bah oui, mais partez un sac, ça c'est pas très grave. Allez, et ici c'est bien vide, ok. Donc, un peu de patience, les enfants, tout va bien. Alors du coup, pour le matos de Berserker, je ne pense pas en avoir assez, presque, il me faudrait un peu plus de laine, donc il va falloir attendre encore un peu. Mais nous n'avons pas d'équipement de Berserker, nous sommes d'accord. Donc je peux le créer. Ouais, cela dit, j'ai mis du cuir qui aurait pu te servir. Voilà, je viens d'envoyer valser cette espèce de crabe. Qui va me foutre la paix, j'espère. Donc le cuir, oui, j'en ai 35. J'en ai transformé en 17. 17 peaux animales démoniaques. Donc maintenant, si je calcule avec ça... Les os, ça... Ça se bouffe pas. 8 plus 7, ça fait 15. Et j'en ai 17. Donc, malheureusement, j'aurai pas tout. Ce rangement que tu nous as fait, un truc incroyable. Et cette patience Merci. De nos fans. Ah bah écoute, hein... La patience du Lennon, hein. Fanta, vous pouvez être témoin, j'étais en train de ranger tout ça sans que Fanta s'en rende compte parce qu'il était en train de gérer tout ça ou autre, et j'étais là encore quelques minutes, au final j'ai bien passé une heure sur ces conneries. Très bien, et il me manque malheureusement encore de la laine marron, donc ce faisant, je reprends mes clippers, et on va clipper. Clipper, arrête de clipper. Exactement. Ah là là. En même temps, ils ont bien repoussé, donc.
Ils ont bien donc, repoussé. Brewing Stang, GTA. On va peut-être le poser, tu vois. Ça serait pas mal qu'on l'utilise. De quoi le Brewing Stang? Que tu fasses des potions, tu veux dire? Ouais, on en a 5 d'ailleurs, je vois pas. Écoute, c'est toujours toi qui as été plus doué que moi pour les potions. La seule fois où je me suis acharné à faire des potions, c'était dans l'aventure solo que j'avais faite, la Bob Vision. Ouais, où du coup, et du coup, j'avais foiré comme une vieille merde, une vieille potion à l'ancienne parce que je suis mauvais pour faire ces potions. Donc, du coup, les potions, je préfère laisser ça au Fanta. D'accord. Mais c'est pas compliqué de faire des potions. Pff, la cuisine, c'est bon pour les femmes. Voilà. Donc moi, j'en parle. Ça parle mal. Ah, mon Bob, je suis cuisinier de métier. Je te permets pas de dire ça. Très bien. C'est que tu m'as pas écouté. La cuisine, c'est bon pour les femmes. Voilà, je le refais. Voilà. Et attends. Bob, je suis féministe. C'est terrible ce que tu dis. La cuisine, c'est bon pour les femmes. Retourne à la cuisine. La cuisine, c'est les femmes. Et Schmitt. Mais je sais pas qui c'est ce Schmitt et pourquoi il est avec ma femme, alors je lui pète la gueule. Mais je troll. Ouais, Bob, tu peux pas te permettre de faire des blagues comme ça. Il y a des enfants qui écoutent et après ils vont quand même s'influencer de toi. Oh, je c'est troll. Vrai. Voilà. En même temps, si les gens comptent sur nous pour éduquer leurs enfants, ils sont mal barrés. Oh putain. Autant arrêter de les envoyer à l'école, vous gagneriez du temps. Quoique. Enfin bon. Du coup, dans... l'anarchiste, tu sais. Mais bon, tu sais quoi, les Brewing Sound, je vais en faire deux, je vois pas pourquoi je me fais chier. Sinon, outre l'aspect complètement misogyne de tout ce que je viens de raconter, ouais, ce zombie, il est trop affectueux. Oui, il est un peu trop affectueux. Autant tout cet aspect complètement misogyne de tout ce que j'ai raconté, je respecte profondément les gens qui travaillent dans la restauration et dans la cuisine, notamment. Et vous allez me dire, ouais, mais ça c'est parce que t'arrêtes pas de regarder les émissions sur M6 ou W9. Qui sera le pâtissier en chef de 1179? Non, pas vraiment pour ça. Parce que je sais que c'est vraiment un truc que moi je suis incapable de faire. Ça demande du timing, ça demande de la précision, ça demande de la minutie, ça demande de la patience. C'est tout ce qui ne me constitue pas. C'est l'opposé parfait de ce que je suis capable de faire. Et pour le coup, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant quand un gars présente une putain de belle pièce montée. C'est un truc de fou, quoi. Et tu dis, mais. Et le gars, il a passé 4 heures à la faire et qu'au final, on va le manger, il sera détruit. Le mec, moi, je suis désolé, hein, je passe 8 mois à faire un bébé, je veux pas qu'il se fasse manger, tu vois, c'est pas... Ouais, pardon, je fais mes petites potions, moi... Oui, je comprends, y a pas de soucis. Les gens galèrent, ils t'écoutent, y a pas de problème. Enfin, ils me voient galérer, mais ils t'écoutent. Y a pas de problème. Moi, pendant ce temps-là, je viens de faire les bottes, là, tu vois, et il me manque littéralement un animal skin, donc un tout petit peu de laine, 4 de laine, pour pouvoir faire le stuff Berserker entier. Et du coup, voilà, moi j'ai toujours trouvé ça très agréable. Par contre, je trouve ça très agréable de les voir faire. Même outre toute cette mise en scène très M6, tu sais, en mode ah là là, il reste 3 secondes au compteur, arrivera-t-il à faire sa crème brûlée qui prend 4h30? Ta 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 ta. Non, tu vois, c'est il évidemment pas. Que... Non, mais évidemment que sa crème brûlée, il l'a fini depuis une demi-heure, tu vois ce que je veux dire, c'est oui, c'est après, évident. Au niveau du montage, ils font comme si c'était la dernière seconde, sérieux. Voilà, c'est ça, alors que. Oh mon dieu, levez les bras! Oh putain! C'est ça, tu sais. Putain, comment il a fait? C'était vraiment le dernier pichenette de sauce. Ah là là là, c'est ça. Alors qu'avant, ça ressemblait à de la merde, quoi. La et là, musique il a terminé, du Mordor. Non, pas déconner. Évidemment. Mais voilà. Mais quand je vois, même ceux qui font pas ça, qui participent pas à ce genre d'émission, mais parfois le stress qu'ils peuvent se taper en cuisine lors de soirées de rush ou trucs comme ça ou autre, j'ai toujours trouvé ça très respectable. Ne serait-ce que leur gestion du stress. Ah, qui est très il en faut, les rushs en cuisine. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu à vous proposer dans cette... On va faire durer, hein, on va faire durer pour oui, tous écoute, ceux qui se trouvent lésés parce qu'on a fait que du rangement. L'épisode va durer plus longtemps, c'est propre. C'est pour ça. Moi, personnellement, j'ai jamais pu gérer ce genre de stress ou quoi que ce soit. Une chose que je sais gérer, c'est l'urgence. L'urgence, il n'y a pas de problème. Ça, c'est généralement, c'est réglé. Les timings, les délais, tout ceci passe magnifiquement bien. Mais le stress sur la longue durée, tu vois ce que je veux dire? L'endurance de stress, moi, je peux pas. Il y a des gens ils peuvent, mais moi... Moi, j'arrive, mais bon, c'est violent quand même, hein, c'est dur. Bah ouais, moi tu vois bien, hein, c'est quand c'est trop stressant, trop longtemps, je brise psychologiquement, alors que quand il s'agit juste d'un « jumpscare, esquive, paf, 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 4 balles, t'as rien vu !» J'ai le souvenir de notre piratage en juin 2012, 2014, enfin, je me rappelle plus. Je peux te dire qu'il a fallu du sang-froid. Hein. Ah putain. Mais bon, c'est la vie. Moi, c'était d'autant plus stressant parce que du coup, je pouvais rien faire. À part te prévenir, j'avais pas pu faire grand masse, quoi. Ouais. Je parle pas du premier, je parle du deuxième. Deuxième, j'étais un petit peu tout seul devant tout ça et c'était pas facile. Bon, toujours est-il que. Voilà, on s'en est sorti. On est toujours là.
Oui, bien sûr, on maîtrise. Et tada, mon cher Fanta, j'ai une partie de mon stuff Berserker. Malheureusement, je n'ai pas de bouclier Berserk. Or, je crois qu'il faut... Il n'y a pas de bouclier Berserker? Si, avec une bûche. Ou c'était moi la bûche? Non, toi, c'est avec un truc d'iron. Vérifie un petit peu. Je vais check. Hein. Sur le wiki, toi, tu peux, de toute façon. Est-ce que tu filmes pas? Non, mais je vais pas faire ça. Attends, c'est sale, ça. Et puis, putain, ça. Regardez s'il n'y a pas moyen de créer un shield. Un shield d'Oda. Putain, c'est bien depuis que t'as rangé, c'est incroyable. T'as vu? Hein? Ouais. Ça change tout, hein? Ça change tout, hein? Bidit fagot. Alors attends, Iron Shield, ça c'est bon. Berserker's Iron Thorn, d'accord, il me faut du lingot, et un bloc of iron. En clair, il me faut du fer. En clair, il me faut du fer. Il me faut 9, 10, 11, 12, 13. Attends, 9 plus 5, 14, 15. Il me faut 15 de fer. Bob, 15 de fer. Je vais te bourrer de potions de heal, on aura 3 chacun. Ah, super! À cela, je suis en train de faire des potions de résistance au feu. Ah putain, non, j'ai fait du strength. Comment je me suis planté? Il fallait des boules de slime. Strength, c'est pas mal aussi. Nous avons des boules de slime. Nous en avons 19 des slime balls. Cependant, je vais pas me plaindre. Oh, on pourrait faire une slime sword. À quoi ça sert une slime sword? Ça sert à rien. C'est juste une slime sword. Bon, on aura des potions de strength. C'est pas mal si on a des boss à affronter. Une slime light. Pas faire grand chose avec du slime à part la magma cream. Ouais, c'est ça qu'il me faut, c'est la magma cream. Bah oui, mais il faut mélanger de la poudre de blaze. Mais j'en ai. Très bien. Mais excuse, le Fanta qui est motivé. Hop. Hop, tac. Berserker's Iron Thorn. C'est-à-dire la. Il est où le slime? Tu l'as déjà mis? L'épine de fer du Berserker. Ouh, effectivement, c'est un gros bouclier. Ouais, okay. Le slime est dans le coffre des composants. Ça se mange pas, ça se plante pas, c'est pas carré, ça va dans ce coffre. Parfait. On va retenter. Je me rappelle, je l'ai fait de tête, hein, les potions. Hein. Faut pas vous inquiéter si c'est pas parfait. Je fais l'alchimiste sur ce coup-là. Hop. Et encore, donc, des potions de water. Je nous fais 3 de chaque, hein, chacun. Et puis... ça ira bien. Hop. Tac. Séance détente alchimie. Hein. Oui, on est bien là. On est sympa là. Je carre quand même un arc. Est-ce que je me fais un marteau d'acier? Pourquoi pas? Ça peut être sympa ça aussi. Non? Un bon petit marteau. Oh, il me faut 3 blocs d'iron. Donc ça fait 3 x 9. 27. 3 x 9. 27. Très bien. 2, donc ça fait 29, parce qu'il m'en faut 2 iron en plus et 2 leader, donc pourquoi pas, est-ce que j'ai 29 iron? Oui, on a ça, c'est impeccable. Allez, on va vérifier que je me suis pas planté, c'est bien les magma cream. Les magma cream. Tout ceci et dans est le coffre à bordel, je vais mettre délicieusement répugnant. Des trucs qui vont me servir spécifiquement à l'alchimie. Et voilà, Berserker's Rage Breaker. J'ai 2 armes. J'ai la clé mort et le marteau. Un peu ce marteau. Ouais, c'est pas un marteau, si je puis me permettre. Voilà. Hop. Merde. Hop. J'aurais pu les mettre en splash, mais je préfère la force 2, en fait. Le niveau 2. Hop, dis-moi que c'est bon, c'est... Ouais, Fire Resistance, comme quoi j'ai un petit peu de mémoire, hein. J'ai un petit peu de mémoire, Lennon. Un tout petit peu de mémoire, je veux bien y croire, mon cher Fanta. Option, multiplayer, show cape, off. Ah, super. Allez, ça c'est réglé, je vais mettre le verre à... Tada ! Et Fanta, j'ai le plaisir et l'indu honneur de te présenter le stuff de Berserker. Oh putain, la classe ! La mort et la destruction ! La mort et la destruction. Regarde, tu vois cette merde? Alors non, j'ai rien vu. Je sais pas, il a bouffé un peu. Je lui fais 8 de dégâts, alors vas-y, décapite-moi ça. Boum. Non, là j'ai utilisé l'onde de choc, j'ai fait du dégât à tout le monde, je crois. C'est ça, c'est pas mal. Alors donc tu peux faire des dégâts de zone, donc en onde de choc. Exactement, et avec l'épée je peux décapiter, mais seulement sur un... Et au niveau armure, ça te protège bien ou pas? Je suis à 6,5, c'est 4. Intéressant. Ouais, moi je suis à 4 et j'ai, et comme j'ai 50 levels, je vais m'empresser de ce pas de. Tiens, je te file 3 potions de strength, t'en fais ce que tu veux. C'est bon ça.
Des potions de muscles. J'aime ça. Et du coup, ah, les fire resistance, tu peux pas l'augmenter avec de la glowstone. C'est pas nécessaire, c'est de la fire resistance, un point, c'est tout. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour l'améliorer? J'en ai aucune idée, tiens. Gunpowder. Protection level 2. Pin, 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 pin. Protection level 4. Ah pin, non, pin, c'est pin, de la pin. Redstone. C'est de la redstone pour augmenter la durée. Donc on va le faire, je vais prendre de la red. La red qui doit être par là. Allez. Hop. Voilà, comme ça on aura des gros, on aura 3 potions de résistance au feu, mais on va aller dans le prochain épisode, on va se barrer dans le monde de la neige, mon petit Bob, et je vais nous faire un portail pour cela. Excellent. Où c'est que je le pose? Puisqu'on pourrait faire une salle des portails, des portaux. Du coup, ça y est, mon cher Fanta, je suis pleinement équipé à pleine puissance avec un matériel divin des dieux, et du coup, on a complètement de quoi faire. Alors, je fais pas énormément de dégâts avec mon épée ni avec mon marteau. Cependant, je peux repousser les adversaires. J'ai quand même une épée en diams au cas où. Moi, je suis super rapide. C'est très appréciable. La difficulté se fait exactement. Donc, on le pose où le portail? De l'autre côté de la porte. Non, de l'autre côté de la porte. Regarde, il y a déjà le portail du Nether. Mettons-le là. Vas-y. Déblé un peu. Alors, est-ce que tu pourrais me sortir de la redstone, s'il te plaît? Ah putain, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est apparu là, l'enfoiré. Défonce-le. Alors du coup, de la redstone tu veux, bibiche? En carré ou en normal? En fait, fais-moi neuf montres, s'il te plaît. D'accord, je vois. 9 montres. Alors 9 x 4, 36. Donc il va me falloir 36. Avec les tables de multiplication, ça sert les schtroumpfs. Alors. Parce qu'il y a des gosses qui disent « Ah, ça sert à rien !» Putain, sûr, c'est pas le truc le plus utile de sa putain de vie, surtout dans les jeux vidéo, quoi. Dans tout. Autant pour le reste, pour tout le reste, je veux bien en discuter de l'utilité avec vous. Alors, 3 potions de résistance au feu pour monsieur. 9 montres, voilà, c'est ce qu'il te fallait. 9 montres, tout à fait, tu les combines ensemble, tu fais un bloc de montres, en fait, s'il te plaît. Genre une grosse montre? Ouais, tu remplis tes 9 cases des 9 montres. Oui, ça fait aucun sens, mais pourquoi pas, vas-y. Oh putain! Ça fait une autre montre! Vas-y, montre-la moi. Elle s'appelle comment? Twilight Clock! La montre! Eh ben, on va teaser nos amis qui nous ont vu ranger notre inventaire, s'amuser. Tu as créé l'horloge du crépuscule, Fanta. Peux-tu ouvrir un portail vers l'aube éclatante? Montre-moi le Yukon! I can do it. Alors attends, laisse-moi rentrer quand même ces stocks de potions. Alors le Yukon, ou Yukon en anglais, est une vraie région qui se trouve vers le nord des États-Unis d'Amérique, enfin vachement au loin, là où ça fait très froid, l'équivalent de la Sibérie américaine, quoi. Qui est un endroit où Picsou a trouvé sa première pépite d'or. Oui, alors avant, je vais faire mon maniaque parce que mon petit Bob, j'ai déjà le bordel dans mon inventaire. Et ça me stresse parce que t'as fait des efforts considérables. Moi, il y a un autre sac pour toi, mon cher Fanta. Donc, je t'invite à t'en équiper. Mais j'en ai plein, j'ai deux sacs. Non, mais encore un. Là, c'est un backpack. J'ai fait ça pour toi. Ouais, mais j'en ai deux. J'en ai déjà deux sur moi. Ils sont vides. Tu la boucles et tu prends encore un sac. Ah putain. Fais voir. Là, il est là. Tu prends encore ce sac. Ah mon dieu. Voilà. Merci. Et donc maintenant que voilà. Et moi perso, Fanta, j'ai deux sacs. J'ai un petit sac rouge dans lequel je mets tout mon matériel qui serait utile à avoir sur moi. Mais disons que ça, c'est du matériel. J'ai le temps de mettre la pause pour aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Comme les autres potions en double. Et le reste, j'ai toujours une potion d'un de chaque. Mais le reste, voilà, j'ai une potion en accès rapide. Mais le reste, voilà. Et l'autre, le deuxième, le gros sac, c'est un sac de merde. Dès que tu commences à être trop plein de toutes tes saloperies que tu peux trouver dans tes aventures. Alors, juste pour ceux qui sont curieux et qui utilisent le même modpack que nous, y a encore des gens qui demandent comment on fait pour accéder à ce modpack. C'est dans le descriptif, hein. Y a un lien. Alors, il est indiqué. Alors, Berserker, on peut le faire comme ça. Vous faites une armure normale, sauf que le cuir que vous utilisez n'est pas le cuir habituel. C'est du cuir qui est entouré de laine marron. Voilà, à savoir que la claymore est relativement facile à faire, elle permettra une décapitation que Bob s'empressera de faire très prochainement, et sinon des sorts AOE, donc sorts de zone, qui permettent de défoncer plusieurs ennemis en même temps sur un nombre de blocs délimité. Et son magnifique bouclier, donc c'est super, vraiment, t'as vraiment la classe. Mais par contre, moi, je suis rapide, regarde-moi!
Oh! Et j'ai appuyé sur clic droit, Fanta, je suis donc entré dans une rage berserk. Ah ouais? Oui, c'est vrai que j'ai ça. J'avais oublié. Et ça fait un peu tomber la foudre et ça me fait fumer très fort et du coup je fais énormément de dégâts. Non. Attends, et si je... Attends, je vais viser ces baleines et on va voir ce que ça donne. Et tu remarques qu'il y en a un par contre qui est en train de perdre des points de vie là-bas, le crabe. Il est en train de... Oh joli, c'est beau ça. Ouais, 40, tu... points. 40 points, c'est pas 40, mal. 40, mais c'est pas mal. Mais cependant, tu remarques que le crabe là-bas, il y a un crabe qui est en train de fondre. Il perd 2 PV par 2 PV à cause de mon aura de... Ah putain, c'est 20 secondes que je peux faire cette super attaque quand même. Ah d'accord, quand même, faudrait pas déconner. Mais je lui foutre le feu à ces baleines. 14 sinon, mais 14 c'est pas mal. Elle est dans la flotte, ça me sert. C'est pas mal, 14 de dégâts. Donc je vais allumer avec la montre Twilight Clock, là, le nouveau portail. Et c'est dans le prochain épisode que nous allons découvrir ça ensemble. Mon petit Bob, regarde, il est allez, prêt. Allez, montre-moi ça. Oh, bon, ça c'est allumé, on y va pas, c'est du plaisir. On y va pas. Pour l'âme, pour l'amour de Chrome, la bataille, le sang, la mort et la destruction. Chers amis, c'est ça qui est bon. Sur ce, à la prochaine. Gros bisous à tous et un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Allez, sous. Bise. Les aventures de Fanta et Bob présentées par Gox dans le précédent épisode.